Ça, c'était l'ancienne grotte qui est détruite. Et voici la nouvelle grotte derrière. Magnifique. Je vais m'avancer un peu. Nouvelle grotte de Notre-Dame d'Afrique. Magnifique, magnifique. La nouvelle grotte de Notre-Dame d'Afrique. Magnifique. Comme la Côte d'Ivoire. La belle Côte d'Ivoire. L'Annonciation. La Visitation. La Nativité. La présentation de Jésus au temple. Les noces de Cana. Marie au pied de la croix. Jésus dans les bras de Marie. Marie au cénacle. L'Assomption de Marie. C'est aujourd'hui, en fait, l'Assomption, on est le 15 août 2020. Date de l'inauguration de la nouvelle grotte. Et le couronnement de Marie au ciel. Magnifique. Alors ici, il dépose les bougies. On va en allumer une tout à l'heure. Je vais vous remontrer la grotte une dernière fois. Que vous voyez à quoi ça ressemble. Il y a une cascade d'eau qui coule, c'est trop cool. Le
sa nouvelle offre de Côte d'Ivoire. Il a fait, avant je n'en sais rien, je n'ai pas fait le tour de la compagnie de l'Afrique, mais je sais que c'est pas la beauté qui importe, c'est le fond de vue. Qu'est-ce que nous allons faire à la Côte? Quelle est notre relation avec Mali? C'est pour ça, frères et sœurs, je vais lancer la deuxième phase aujourd'hui, officiellement la deuxième phase de la construction de la Côte qui est la voiture. Il faut qu'on le fasse très rapidement, parce qu'on n'aura pas les moyens de louer les bâches et les chaises tout le temps. Il y a les bancs et la voiture à faire. Je souhaite qu'on le fasse, très très rapidement pour que notre tâche puisse nous visiter une nouvelle fois. Le temps tout à l'heure, nous allons suivre la vierge en possession pour la petite télévision que je vais faire moi-même. On a déjà fait la bénédiction à la première messe, déjà donc on a parlé de lui. Sauf que la vraie bénédiction vient de la grâce de toutes personnes. Et donc nous allons vous tenir de vous aider. Et nous allons vous tenir de vous aider. Et nous allons vous aider. Pour ma part, je voulais vraiment vous féliciter. C'est dur. Moi-même, je sais que c'est dur. Mais justement, lorsque c'est dur, seuls les dieux avancent. Et si nous voulons être au ciel, il faut donner les mœurs, il faut qu'on fasse pas mal. Tous.
Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, illuminée sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, né de la Vierge Marie, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes réunis dans la joie pour bénir, pour honorer cette image de la Vierge Marie, sous le titre de Notre-Dame d'Afrique, Mère de Dieu. Elle nous rappellera le lien étroit entre la Vierge Marie, le Christ et son Église. Marie est la mère du Christ et elle est l'image et le modèle de l'Église. En elle, l'Église contemple avec joie ce qu'elle-même désire être tout entière. En elle, l'Église reconnaît le chemin à suivre pour arriver à l'union parfaite avec le Christ. D'où notre slogan, si tu veux aller à Jésus, il y a un chemin, Santa Maria. En elle, l'Église épouse de Christ trouve le modèle de sa mission. Efforçons-nous donc de participer à cette liturgie avec la ferveur et la piété désirables. Prions ensemble notre Sauveur, qui a voulu naître de la Vierge Marie, et redisons avec elle, notre âme exalte le Seigneur. Ensemble, notre âme exalte le Seigneur. Fils du Dieu vivant, par ta passion, tu as préservé ta mère de toute souillure, garde-nous du péché. Notre âme exalte le Seigneur. Rédempteur des hommes, tu t'es incarné dans le sein de la Vierge Marie, fais de nous le temple de l'Esprit Saint. Maître des intelligences, tes paroles et tes gestes pénétraient le cœur de ta mère. Apprends-nous à garder en nos cœurs ta parole. Sauveur du monde, tu as voulu que Marie soit au pied de la croix. Accorde-nous la force au milieu des épreuves. Jésus ressuscité qui règne à la droite du Père, tu
Tu as glorifié Marie dans son âme et dans son corps. Oriente nos désirs vers le ciel. Rassemblés en ce lieu, comme Marie et les apôtres au Cénacle, prions avec ferveur Dieu notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, toi l'auteur de tout. Avant que le monde fût créé, tu as établi le Christ, principe et fin de l'univers, et dans le mystère de ta sagesse, tu lui as joint la Vierge, la Sainte Vierge, pour qu'elle soit la mère de ton Fils et son associé, l'image et le modèle de l'Église, notre mère à tous et notre avocate. Elle est la femme nouvelle qui a réparé la ruine causée par Ève. Elle est la fille de Sion qui a joint sa supplication au gémissement des prophètes avant d'accueillir en son cœur l'espérance d'Israël. Elle est la servante humble et pauvre de qui est sorti le soleil de justice, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Père Saint, nous te supplions humblement, vois tes fidèles rassemblés devant l'image de la Vierge Marie. Que soit gravée dans leur cœur l'image que leurs yeux contemplent et qu'ils trouvent toujours en Marie une protection. Qu'elle les aide à garder une foi solide, une espérance ferme, une charité active et une humilité sincère. Qu'ils trouvent grâce à elle la force dans la douleur, la dignité dans la pauvreté, la patience dans l'épreuve, la sérénité dans le succès. Qu'ils soient des ouvriers de justice, des bâtisseurs de paix. Qu'ils parviennent enfin à la cité du ciel, où la Vierge Marie intercède, mère et souveraine, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, vous allez lever vos bougies que nous allons bénir avec vous-même. Nous avons déjà béni la grotte, donc on ne va pas rebénir. Nous bénissons vos personnes. En ce lieu, viendront beaucoup de pèlerins. En ce lieu, la Vierge Marie, comme l'image l'indique, tend la main à tous les Africains. Nous sommes l'Afrique en Côte d'Ivoire. La Vierge Marie veut nous donner la paix. La Vierge Marie veut rassembler en notre paroisse tous les fils, tous les Ivoiriens. Que notre paroisse soit un havre de paix. Que tous ceux qui viendront ici prier rencontre à la Vierge Marie le sens de la réconciliation, le sens du pardon. Comme le Christ a confié sa mère aux disciples bien-aimés, nous sommes aujourd'hui les disciples bien-aimés. Accueillons la Vierge Marie dans notre cœur, dans notre paroisse. Vous êtes chargés donc d'aller porter cette bonne nouvelle que la Vierge Marie attend tous ceux qui recherchent un peu de paix, un peu de tranquillité, de sérénité ici, et elle fera pour eux ce que leur cœur désire. Nous allons vous bénir et bénir vos sièges. Ensuite, vous viendrez déposer dans le bac, les deux bacs qui sont devant, les bougies et les sièges. Et vous passez par derrière, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, pour faire le chemin de la grâce. Le chemin de la grâce, c'est le chemin de la Vierge Marie.
depuis l'annonciation jusqu'au couronnement au ciel. On peut faire ce chemin à genoux comme debout. Mais aujourd'hui, nous allons faire simple, c'est la découverte. Nous allons marcher. Et derrière, nous avons les brûloirs pour les votives et pour les bougies. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, tout reste au pied de la grotte. Mais les jours à venir, c'est par derrière qu'il faudra déposer les bougies, en passant toujours par ici pour ressortir de ce côté-ci. Vous allez maintenant vous incliner pour recevoir la bénédiction finale et le renvoi. Et ensuite, nous irons porter nos bougies au pied de la grotte. Ceux qui ont les roses ou les fleurs, vous les déposez simplement au pied de la grotte. Dieu a voulu sauver l'humanité par son Fils. Et il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut sa grâce. Okay.